Le 1er mai dernier, nous étions ici, sur le pont du Carrousel, pour commémorer le meurtre de Brahim Bouharam, jeté dans la Seine par des militants d'extrême droite sortant du cortège du Front National, qui défile encore tous les ans en direction de la statue de Jeanne d'Arc. Les antifascistes, rassemblés à Saint-Michel pour rejoindre cette commémoration, se sont fait violemment attaquer par des fascistes. Clément était présent, comme à chaque rassemblement et action antiraciste. Ce 1er mai dernier, il a pris un coup qui l'a envoyé à l'hôpital. Le 5 juin, il est tombé et il ne s'est plus relevé. Son engagement était quotidien. Ce n'était pas une simple posture ou un engagement ponctuel. Il défendait un antifascisme de tous les instants et de tous les lieux. Et Clément était également de toutes les actions et manifestations anti-homophobes, antisexistes, antispécistes et de tous les combats relevant de la lutte des classes.